Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 6, donc pour l'épisode 23 du Wakfu. Donc du coup, la dernière fois on a fait un peu de secondaire, donc là on va se reconcentrer sur l'histoire principale et on va aller au New Serena. Je vous rappelle que Someya veut se joindre à nous pour aller voir Biglow, donc le chef de la triade Sayo. Et on a rendez-vous au Shangri-La, un lieu qu'on n'a pas vu depuis pas mal d'années, mine de rien, et vous allez voir que du coup, forcément, ça a beaucoup changé. C'est plus trop le Shangri-La qu'on a connu à l'époque. Forcément, il s'est passé à une dizaine d'années, hein, puisque c'était en 2005 qu'on y a été la première fois et que Majima est intervenu avec ses hommes. À ce moment-là, où il a détruit littéralement cet hôtel, hein, puisqu'il est rentré dedans avec un camion. Et du coup, il est un peu resté comme ça depuis, on va voir, il a beaucoup changé. C'est clairement un changement d'ambiance. Allez, on va parler à Kiyama et c'est parti. Kiyama. 準備はもういいんですか？よかったら夜まで少し休んだらどうです？ああ、そうさせてもらう。わかりました。ソメヤが来たらお呼びしますよ。すまないな。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ。約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。ああ、安心しろ。ローのところへ案内してやる。兄貴、このバカ誰が何ぞおかしな真似しよったら、すぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わさい。そのつらボコボコにしたると。四代目、ローと会う場所はどちらで？前は桃源郷ってソープだったビルだ。ローはそこで待ってる。桃源郷？あんな場所にローが。何か問題でもあるのか？まああの建物の中に入ればわかりますよ。Ouais, donc Someya nous fait déjà du teasing. Hein, je trouve ça curieux qu'il nous ait donné rendez-vous là-bas. Et il nous a dit, tu verras quand on y sera. Et en effet, ça a beaucoup changé. Donc let's go. 4代目は、あのローに何て言われてまた会うことになったんで。登場界の人間には関係ないことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはね。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、ローも四代目を歓迎してるわけじゃないらしい。どういう意味だ？あそこは前とは様変わりしてましてね。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなんで、多分ローはそいつらを使って四代目のことを試すつもりでいるんですよ。例えば四代目が本当に手を組む価値がある男なのか見定めるためにとか。donc Someya émet l'hypothèse qu'il essaie de nous tester en nous demandant d'aller là-bas, ce qui est fort probable. Il faut bien qu'on soit à la hauteur de notre réputation et quelque part, ce qui nous a pas encore testé, hein, finalement. On s'est pointé au Little Asia, mais bon, comme vous avez vu, on était déjà 4 de base. On s'est infiltré, et finalement, on a combattu quelques dizaines de mecs maximum, et après, on est tombé sur, j'allais dire Biglow, mais non, sur Ed, l'un de ses officiers. Donc finalement, il a plus dû entendre des rumeurs nous concernant, mais pas encore de preuves concrètes. Donc ça va être l'occasion de lui prouver ce qu'on vaut. Là, je me fais harcelé par Troubler, là c'est infernal.
Donc voici le Shangri-La. Donc il d'aspect comme ça, il a pas une très bonne gueule, mais on dit que c'est à peu près ça va quoi. L'intérieur, ça va plus trop quoi. C'est un autre délire l'intérieur, hein. C'est post-apo le truc. Kokodana, Togenkyo. ローはもう俺が四代目と一緒にいることに気づいているはずです。約束と違うなんつって、とんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな。そうなりゃ、お前も俺もお互い無駄した。まあ、入ってみてのお楽しみです。しかし、こんな小汚い場所で出迎えもなしってんじゃ、ローもゲストへの礼儀ってもんが分かっちゃいませんね。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですが、セラ三代目が死んだ後、東条会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくって、ダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで、ところが今は警察も東条会と中国人の抗争で手が回らねえ。でこんな街のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです、四代目も責任感じちゃいません？しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に下ったってことなのかな。ならこいつらはローのよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまりローを待たせねえうちにやってやりましょうや、四代目。あれ、せっぱし。Donc, Soméya nous fait un peu culpabiliser de...d'avoir agi de la sorte 10 ans par avant, parce que pour lui c'est un peu notre truc, les lieux sont comme ça et plein d'autres endroits comme ça dans la vie. Même si bon, en vrai, oui, on y a participé, mais bon, soyons honnêtes quand même, celui qui a tout défoncé avec un camion, c'est pas nous, c'est bien Majima, donc bon. On va dire qu'on a participé, mais pas trop non plus. Il y a un tunnel qui est en train de se faire. Si on le fait, on va aller plus loin.J'allais pas y arriver. Donc on va voir pas mal de passages comme ça, il y aura pas mal de zones comme ça un peu détruites forcément. Donc on peut reconnaître vite fait l'accueil hein, quand même du Shangri-La, mais bon voilà, l'escalier il est explosé. Enfin, même si en vrai ils ont un peu abusé pour l'escalier, parce que là ils l'ont vraiment littéralement tiré quoi. Mais bon, on reconnaîtra un peu les lieux, mais il y a vraiment une vague un peu se rappeler de ce qui était passé dans le premier Yakuza. Et je trouve ça cool, forcément, ça rend hommage quelque part au premier jeu. On a des masses vraiment partout, c'est pas pour rien. Comment quand même ?相当ヤバいやつがいますよ。四代目、ほっといて先に進みましょう。Voilà, on tombe sur une espèce de sadomasochiste énervé. Voilà, coucou. Donc, avec une boule dans la bouche et tout, le classique quoi. Les petits fringues très serrés en cuir. Donc, on se doute bien que lui, on va finir par le croiser tôt ou tard.Personnage qui sera beaucoup réutilisé, je crois, dans Judgment et Kiwami 2.
るせえ。Ça a l'air très commode. Il fait vraiment des bruits genre... Ça est censé être un humain quand même, mais... Il fait vraiment des bruits de monstre, quoi. C'est un truc de ouf. Ah, par contre, on peut pas emmener les masses à chaque fois d'une échelle à l'autre, c'est un peu le bordel. Mais par chance, on a des distributeurs un peu partout. Ils sont sympas quand même. Donc là, on va y aller après, je sais pas s'il y a d'autres coins. Voilà, il faut être attentif, hein, il nous cache des choses. Alors c'est quoi, c'est Stamina X, il me semble. Ouais, donc je vais en utiliser un. Voilà. Et donc là, on retourne à l'accueil, hein, comme vous pouvez le voir. Je crois pas qu'on puisse y aller, mais moi... Donc ici le but c'est de pas tomber. Mais le monsieur nous envoie des caillasses. Donc il faut faire attention. Il va finir par tomber lui. Le mec il dormait là, tu sais pas trop pourquoi. Il dormait à des endroits qui ont aucun sens. Allez, il va recommencer ici. Très énervé, hein. Imagine, en vrai, tu lances autant de cailloux aussi vite, tu te brises le dos, quoi. Allez, c'est parti. On n'a plus le choix, maintenant. Ah, il fait très mal, hein. Il est très énervé, et c'est pas le pire, en plus. Les vagues souvenirs où je me faisais... je me ramassais des claques dans la gueule tellement c'est violent. Il fait des gros enchaînements qui sont très énervés aussi. Une masse. Bim. Je crois que Sommeya il est dans le mal, il est en train de récupérer là. Il fait des bruits qui me font penser au régénérateur en fait dans RE4. Là quand il sniffe évidemment, ça vous dirait bah, rien à voir. Mais quand il nous chope, il faisait comme ça à moitié et ça fait un peu pareil. Là quand j'ai joué à ce passage là, j'ai l'impression d'être dans un aérolite. Le truc il est tellement inhumain quoi. Oula, qu'est-ce qu'il vient de faire? Putain, shooté comme une merde. Il est vraiment énervé sur la fin, par contre.
Avec... Bon, je sais pas s'il y avait d'autres trucs à récupérer. Ça les one shot la masque, c'est énorme. Ah, il en leur faut une. XX, ça fait plaisir ça. On va le prendre direct. Voilà. Cul-de-sac. Alors là, de toute façon, je crois qu'on a plus chaud en fait. Ouais, on est obligé de longer ici. Donc eux c'est vraiment la chair à canon, ça se voit, de toute façon tu leur mets deux patates, le père ils sont morts donc... Enfin ils sont morts, ils sont KO quoi. Donc c'est pas de la grosse bébête quoi. Hein. Je galère des fois à choper le truc. Vraiment, pas trop être devant, sinon ça veut pas quoi. Bah parfait ça. Ça vaut le coup de tout péter quand même. Deux petits objets de soins cool. Quand on pense qu'à la base c'était quand même un hôtel, un Sopland, hein, comme ils appellent ça, mais très luxueux, quoi, c'était vraiment réservé à l'élite, je crois qu'il fallait même un précieux sésame, je crois, pour rentrer, on était passé, il me semble, par la copine de Yuya, ou un truc comme ça, je crois qu'il y avait un délire comme ça pour aller au Shangri-La, c'était vraiment pas simple, et que maintenant c'est un taudis le truc, encore taudis c'est gentil en vrai, hein. Du l'état. Putain, il est énervé celui-là, là. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? On a compris que t'étais le boss de la zone, mais calme-toi. Ça t'arrêtera de me casser les bonbons parce que là il commençait à me les briser. Hein. Ça commence à faire un peu trop mal pour le personnage que c'est. Ah,
Alors, une petite masse. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Et qui s'énerve tout seul alors qu'il y a personne. Mon sommeil reste calme pour l'instant. Il nous dépanne bien quand même. Forcément, il a moins de vie que nous et tout, mais c'est quand même pratique. Mais je trouve ça cool. Moi, j'aime bien ce petit passage avec Somaya, je trouve. C'est bien cool qu'ils aient mis ça. Ce Somaya, c'est un personnage qui est assez particulier, je trouve, au niveau de la saga. Il fait un peu penser à Yoshitaka Mine sur certains points. Parce que c'est vraiment un jeune ambitieux, on va dire, quelque part. Il peut être prêt à aller très loin pour avoir ce qu'il veut. Et dans ses mimiques, il rappelle aussi un peu Yoshitaka Mine. C'est pas le même personnage non plus. Il a pas les mêmes motivations, mais il y a des similitudes. Et oui, il leur demande. On va lui donner ce qu'il veut. À coup de masse, ça devrait le calmer. Putain, mais c'est même pas lui mettre un seul coup de masse, quoi. Ça mange-moi ça. Voilà. Le mec, je le respecte tellement pas avec les masses. Ouais, il nous a déjà fait le coup une fois, tu sens que le mec il va se repointer après. Hein. あなた一人で来ていただく約束だったが、連れがいるのはどういうことだ？ロ。もっとも、私は日本人の裏切りには慣れている。ちょうどそこにいる染谷さんのおかげでね。お久しぶりです、ロウさん。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア街を探ってもお目にかかれなかったわけだ。カムロ町には東条会の手が行き届いてない場所はまだいくらでもある。ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかしいい加減うろちょろされると目障りなんですよ。あんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのはあんたたち日本の極道だ。私の息子を殺したのもな。そうか、やっぱりあの噂話の通りか。ソメア、お前らとロウはもともとグルだった。アジア街を焼き西洋界を引き込んだ後のお前らの構想は大吾を警察に逮捕させるための茶番。ねえ、ですが今は見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが東条会の頭になり次第、用済みの西洋会には消えてもらおうとしたんですが、なかなかしぶとくてね。改めて言いますよ、四代目、俺と手を組んでください。正直言うと、さっきまでローはこの場で殺すしかないと思ってたんですがね、四代目と一緒ならローを生け捕りにすることだってできそうだ。それに俺がここでローを殺すとなりゃ四代目は止めるでしょう。あんたはローから聞き出さなきゃならねえことがあるってんだから。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすりゃ話は後でいくらでも聞き出せる。俺もローを殺しちまうより生け捕りにした方が
後々最妖怪の連中を支配しやすい。俺とお前で利害が一致していると言いたいわけか。ええ、違いますか。思ったより甘え野郎なんだな。例の噂によりゃお前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。俺はあいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを東城会六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんな奴だろうが、やられたらやり返す、そういう性分なんだな。あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから恐れ入りますよ。ん？ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて。四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目がタイマン張ってくれるとなりゃ、こんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い。Bon, comme on s'en doutait forcément, Sommeya avait des intentions qui n'étaient pas celles qu'il avait dites officiellement. Donc on va devoir le corriger pour la peine. Mais il n'était pas forcément dans l'optique de forcément tuer, quand, de ce qu'on a compris. Il est plus le captiver et tout, mais... Enfin, le captiver, j'ai fait du franglais, mais... Mais il voulait plus le capturer, puis le faire parler, tout ça. Et puis jouer sur le fait qu'il le possède pour dire aux Chinois, bon, il va falloir baisser votre garde, les gars. Alors la configuration de la pièce, je sais pas si c'est exactement la même, mais c'est vrai que dans mes souvenirs, elle est assez proche au niveau de... des emplacements d'objets et tout, pour que ça soit la... la même chambre dans laquelle Daigo Dojima était retenu dans le dos. Et on avait été voir la copine de Shinji dans Yakuza 1. On lui avait annoncé qu'il était mort. Et je suis pas à 100% sûr que ça soit cette pièce-là, parce que le bâtiment est tellement détruit. C'était une pièce qui était au fond d'un couloir comme ça. Ça y fait penser, mais est-ce que c'est vraiment celle-là? Je suis pas sûr. En tout cas, le clin d'œil est certainement voulu, on se doute bien. Et ça marche plutôt bien. Huh!
せ。Peut-être me soigner un coup, je vais pas trop prendre de risques. Là, je fais le malin et tout, mais ça pourrait me retomber dessus. J'ai bien fait de me soigner parce que ça, c'est le genre de séquence, ça peut te mettre KO.島の竜俺もここまでですね。今からどうあがいたとこであんたらから逃げることもできねえ。さあどっちが俺をやるんです？あんたかそれともローさんか。桐生さん、この場は私に任せてもらえるか。私は息子を殺されているんだ、このカムロ町でな。そうでしたね。言い訳をしないんだな。だがやったのはお前ら東城会の極道ではない。私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕岩見恒雄だ。岩見恒雄、クルス会長の息子が。あの男は東城会の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い、息子はその巻き添えになって死んだ。何だと？この染谷も東条会の菅井もその後ろに岩見恒雄がついているからこそのチンピラに過ぎない。つまりこいつらは殺す値打ちもない連中だ。そんなこと言ってると後悔しますよ、ローさん。あんた自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか？たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私は寝る暇もなくなってしまう。私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだからな。この場であんたを殺すことは簡単だが、それは東城会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して私を狙う蜂を増やすのは馬鹿げている。俺がほんの少し大きいだけの蜂だと？そうだ。その上あんたは今殺されなかったことで私に大きな借りができるな。仮だって俺がそんな恩を感じる男じゃないと言ったら？それはそちらの自由だ。だがあんたを生かすことで私へのリスクは減りこそすれ増えることはない。なるほど。それが長年組織を相手に頭を張り続けてきた人間の考え方ってわけだ。だが岩見恒雄にはこう伝えてもらおう。息子の敵を取るためなら私は寝る暇どころか全てを失っても構わないとな。
今日のところはいい勉強させてもらいましたよ、ローさん。四代目。桐生さん、あの男への扱いに依存はあったか？いや、何もない。私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。そもそもあなたをこんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが、俺はあんたを知るためにここへ来たわけじゃない。タスカーのことを聞かせてもらおうか。俺がこんな場所まで来たのはそのためだ。タスカーはなぜあんたらに殺されなきゃならなかった？あいつがやった西洋会への裏切りってのは何だ？残念だが、達川の裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋会に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。何だと？もっとも達川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら達川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ？なんでお前にそんなことがわかる？まさかお前は遥のことも知っているのか？私から今言えるのは、カムロ町で抗争している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること、そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ？あの子の父親は一体誰なんだ？多分その電話には早く出た方がいい。あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。兄貴、雄太です。広島でまずいことが。何があった？清美さんから連絡があったんす。うちの親父さんが春人を連れて姿消したって。広瀬の親分が春人？どういうことなんだ？俺にもわけわかんねえっす。もしもし、兄貴聞いてますか？すぐにだ。Et donc ça y est, on a déjà clos le chapitre 8, conspiration, donc on va attaquer le 9e. Que dire de cette fin de chapitre? J'ai envie de dire, on avait pas mal de révélations. Gros changement de situation aussi à Hiroshima, parce qu'apparemment Haruto a été... emmené par Hirose, on sait pas trop pourquoi, mais ça a l'air d'être le bordel en tout cas à Hiroshima. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de mettre la main dessus, peut-être Hirose il a mis en sûreté, on sait pas trop. Et puis surtout que bon bah maintenant on est sûr, Tatsukawa c'est plus une hypothèse quoi. Enfin on est sûr que c'est pas lui qui était le père d'Haruto. Par contre apparemment Haruto aurait vraiment une grosse valeur, on sait pas encore pourquoi. Mais voilà, en tout cas, on lui en veut. Tu dis, c'est bizarre quand même, c'est qu'un bébé, mais peut-être qu'il a une autre valeur au niveau statut social, on ne sait pas.
c'est certainement ça, on va dire, puisque de toute façon, à part ça, un bébé, ça reste un bébé, quoi. Donc voilà. Et puis, Somaya, du coup, est repartie auprès de... Alors, c'est comment déjà... Sugai, j'allais dire Saigo, mais non, c'est pas la même chose. Donc, le président en intérim du clan Tojo. Il s'est avoué vaincu, pour l'instant, en tout cas. Il a quand même des principes, hein, parce qu'il aurait pu sortir son gun, et puis... vas-y, ils vont me casser tous les couilles, je veux de tous, quoi. Donc, ça va. Il est quand même sympa de ce côté-là, on va dire. Mais ouais, ça va être assez galère là ce qui va se passer par la suite. Donc du coup, go en urgence à Hiroshima pour aller voir ce qui se passe. Donc on va sauvegarder évidemment. Alors je vais prendre un vieux slot, ton café. Parce qu'au début c'était dans l'orne, mais après j'ai l'impression que ça allait plus, ou j'ai effacé les premiers. Peut-être pas dû faire gaffe en fait. On va prendre ça, hop. Allez. Alors, pourquoi Hirose-san aurait kidnappé Aruto ? Bonne question. J'ai pas eu le temps de lire la deuxième phrase, mais bon, je pense que je vous l'aurai traduite. Au pire, vous pourrez mettre pause. Donc évidemment, je sors à peine du Shangri-La, je sais qu'il y a un gros truc qui se prépare, donc faut que je me dépêche et je me fais évidemment harceler par nos amis chez Trouble, le Troubler, pardon, je vais y arriver. Donc, let's go, de toute façon on va y aller, parce que je sais que... arrive bientôt en fin de vidéo, mais en vrai... au pire, on va juste avoir les premières vidéos d'introduction d'Hiroshima, mais autant y aller. De toute façon, on aura l'occasion d'y retourner avec Amurocho, ne vous inquiétez pas. On fera 2-3 autres trucs, il y a quand même pas mal de choses à montrer encore. Il y a certains restaurants qui en a pas été. Ou des lieux, tout simplement, qui sont nouveaux. Et puis, des mini-jeux aussi, évidemment. Donc on a encore pas mal de choses à faire par ici. Mais pour l'instant, on va retourner à Hiroshima parce que c'est urgent. Aruto est prioritaire. Kiryu no aniki. Matashita na. Are kara Hiroshima no jōkyō wa kawaranai ka? 何か新しく分かったことは今も広瀬のおやっさんとは連絡が取れません。ハルトをどこかに連れてった切りです。あのおやっさんが土下座したいうんじゃ。なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ。ローが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。え？そして。 ハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんな。ローと話したことは、おいおいお前らにも話す。今何より、広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高頭の話だと、本家の連中も広瀬のおやっさんのことを探しとるらしいんですわ。 組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水？あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を。ようわからんが、ローって男の話を真に受ければ坊ちゃんが何や大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いも親さんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。 とにかく広島に戻ろう。広瀬一家の連中、松永と田頭は無事なのか？大丈夫です。今本家に見つからないようモレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬のおやっさん探しとんならいずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが。
たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。兄貴、広島へ戻る支度はできとりますか？ああ、大丈夫だ。行こう。兄貴、まずはモレノに向かって使わせ。松永と高城がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったら、相手が本家じゃろうが邪魔してくんだらやるしかないで。Allez, direction le Moreno en urgence. Pas le temps de traîner. Oh, そこの踊りは止まれ。兄貴、あんなら本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、舐めとるんかこら。 Allez, ils sont taqués les mecs, on est à peine déjà d'arrivé, l'accueil est déjà présent. Les renforts.Ils sont un peu plus nombreux là, forcément. C'est pas 4 mecs qui vont nous arrêter, c'est sûr. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal de hit action avec nos potes. Je trouve ça toujours sympa quand ils font des trucs comme ça en plus comme Yakuza. Pardon Yuta, ça t'était pas dirigé. Donc les fumiers, ils ont tout barricadé, on va devoir faire le tour. Oh, ils sont un peu plus vénères par contre. Oh,
な。キリの兄貴、早うモレノに行きましょう。いちいち小顔な連中を相手にしとったらキリがあれやせんで。Ah non, c'est verrouillé aussi, ici. What the fuck, on passe par où? C'est moi, je pensais passer par là. Ah, c'est peut-être faisable maintenant. On va voir. Les petits coups de pied sautés au ralenti, c'est toujours stylé quand même. Allez, on y va. Ah, Kiri, Naniki, Kajira, Yuta, Mina, Puji, Jatanga. Oh, Atarimai, Jaruga. Oh, Jakedo.あの達川が殺された言うたり、ヘイハイツがどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城をぶち心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、高城くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルトくんを預かっていたのに、こんなことになって。何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れていくとこ見たんか。何にしても座ってつかさい。話せば長くなりますけ。夕方ごろスナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってた。それで飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。でキヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんか。うん。それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのかその時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して裕太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。ううん、普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台を置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ。タツカはハルトの父親じゃないと。
そしてハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ小清水の頭がおやっさん探しとるも多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃもしかしておやっさんハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、おやさんどこにハルトを連れ出したんじゃ。Donc voilà, on va s'arrêter ici du coup. Donc on sait pas trop pourquoi il a fait ça. On imagine qu'il a voulu épargner Kiyomi en lui disant rien, mais c'est un peu bizarre quoi. Est-ce qu'il est au courant? Techniquement, on a envie de dire non quoi. Enfin, il est dans son coin, donc peut-être qu'il a eu des infos par le biais de l'Alliance Sommeil et du coup. Il s'est peut-être dit bon bah je vais prendre les devants et protéger Aruto, on sait pas trop. Donc là on est vraiment en mode on a des questions à poser. Vas-y je casse tout, je renverse les bouteilles et tout. On a des questions à poser et ça va être lui qui va nous les répondre. Parce qu'on peut, réfléchir longtemps, mais on va pas forcément trouver de réponse nous-mêmes. Donc voilà. Je voulais rebondir sur un petit truc aussi que j'ai oublié de dire entre temps, c'est que on a appris du coup que. Le fils de Biglow, qui s'était fait tuer à Kamurocho, n'a pas été tué par un membre du clan Tojo, mais apparemment, ce serait par... je sais pas si c'est sa main directe ou un de ses hommes, mais ce serait Iwami Tsuneo qui serait derrière son meurtre, donc de l'alliance Yomei, pour foutre le bordel. Donc en tout cas, les rumeurs étaient donc vraies, hein, contrairement... enfin, par rapport à l'installation... de la triade Sayo au Little Asia et tout ça. Donc je crois que c'était Murota, il me semble, hein, le collègue d'Akiyama qui nous avait expliqué un petit peu cette rumeur. Donc tout ça était donc vrai. Et du coup Someya est aussi au courant. Et puis évidemment, bah au début du jeu, il faisait genre on voit pas de quoi vous parler, qu'est-ce que vous faites là, c'est bizarre. Donc voilà, les langues commencent à se délier, mais on n'a pas encore toutes les informations. Donc on verra ça évidemment dans les vidéos suivantes. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, et on se dit à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !